Bonsoir et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Il est 20h32 à peu près, heure locale, et nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Merci de votre présence, votre fidélité. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour mes frères et sœurs qui sont présents, Seigneur, ce soir. Nous te confions toutes choses, Adonai et Lorim. Dieu d'Israël, nous te prions, Père très saint, Amen. Voilà, voilà euh, notre bien-aimée sœur euh, Floriane qui euh, travaille euh, en Côte d'Ivoire à Abidjan nous a, nous a ramené quelques exemplaires euh, de ce euh, livret qu'il a pu euh, faire hein, pour pour les enfants. Voilà, donc euh, le réglage. Voilà un petit livret pour euh, pour les enfants et euh, interdit bien sûr euh, à la vente. Voilà. Donc euh, en tout cas, c'est c'est du bon travail que le Seigneur soit béni. Merci euh, l'équipe. Donc, nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Je tenais à dire merci au Seigneur et et ainsi qu'aux frères et sœurs de Brazzaville du Congo Brazzaville parce que euh, j'y suis euh, allé et euh, je suis resté là-bas euh, à peu près une semaine et euh, je suis rentré ce samedi matin donc c'était juste pour former euh, quelques personnes dans le secret c'était une mission euh, secrète et euh, donc voilà pourquoi on l'a pas annoncé hein. voilà donc euh, et euh, merci en tout cas aux frères et sœurs de, de, de Brazzaville hein, qui c'était euh, grandement mobilisés pour euh, euh, la réussite de cette mission. Et on a vécu de belles choses dans la présence du Seigneur. Dieu nous a beaucoup touchés, beaucoup encouragés, fortifiés, et euh, que toute la gloire le revienne en tout cas. Merci Seigneur. Voilà, donc euh, je voulais juste vous faire un petit coucou ce soir, et euh, je vais laisser la place à deux jeunes frères qui vont euh, nous exhorter, nous encourager, et euh, nous partager l'Évangile ce soir. Voilà, donc euh, on va juste lire un passage dans Apocalypse chapitre 3. Voilà, donc on va lire euh, euh, à partir du verset 11 plutôt, je dirais. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Voici, je viens à toute vitesse. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne t'enlève ta couronne. Voilà. C'est une euh, parole prophétique très puissante. Le Seigneur nous annonce son retour il revient rapidement nous croyons mes amis que le maître revient effectivement parce que les, 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 les nations sont en ébullition le monde est de plus en plus secoué par diverses mes amis catastrophes tout ça et par des guerres de troubles tout ça de guerre de bruit de guerre et euh, nous voyons nous ressentons nous sentons que le seigneur est en train de revenir celui qui a créé le monde celui qui nous a créés est en train de Revenir pour mettre de l'ordre dans tous ces bazars euh, voilà, que nous voyons, que nous connaissons, que nous, n pas, euh, nous, à, auxquels nous assistons en tout cas. Voilà, donc le Seigneur revient. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Il faut retenir fermement ce que euh, tu as, mon frère, ma sœur. Qu'est-ce que tu as de précieux eh C'est l'évangile véritable, la saine doctrine, la parole de vie, la vérité. Hein, euh, voilà, donc il ne faut surtout pas la vendre, quelle que soit la pression des hommes. Quel que soient les dires des hommes, quels que soient les combats, les critiques, il ne faut surtout pas baisser, n'est-ce pas, les bras face à la persécution. Et il faut garder jalousement, précieusement, n'est-ce pas, toutes les grâces que le Seigneur nous a accordées. Et euh, quoi que les gens parlent, quoi que les gens disent. Et euh, il faut surtout garder ce que le Seigneur nous a donné, parce que et, euh, et, euh, la fidélité paye, le Seigneur va récompenser notre fidélité. Et à la fin de toute chose, ben, nous allons être couronnés. Voilà, et le verset 10... Euh, de ce passage hein, d'Apocalypse chapitre 3, le verset 10 dit « Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui doit arriver dans le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Alors l'émission de demain soir à 20h30 mardi hein, mardi euh, et à 20h30 on va pendant cette émission justement parler développer ce passage de ce passage donc le passage en question c'est-à-dire après les 3 10 à 11 on va développer ces deux versets et euh, on va parler surtout euh, du verset euh, euh, 10 où le Seigneur dit qu'il va nous garder de l'heure de l'épreuve alors qu'est-ce que le Seigneur concrètement veut dire là-dessus Eh ben on va Développer euh, cet enseignement demain soir. Donc, n'oubliez pas de vous connecter demain soir à partir de 20h30 pour suivre cet euh, enseignement. Voilà. Donc, voici. Je viens à toute vitesse. Tiens ferme que eh ben, qu ce que tu as. Eh bien, qu'est-ce que tu as C'est la parole de la persévérance. La parole de la persévérance. Cette parole qui a disparu. Cette parole qui dit que eh ben, la dîme, c'était la loi. Il ne faut plus la payer. Cette parole qui dit que nous sommes l'Église et non les bâtiments. Cette parole qui dit que mes amis, que les miracles accompagnent les enfants de Dieu. Et ceux qui sont contre les miracles sont contre le Seigneur. Voilà, parce que le nom de Yeshua est le miracle. Cette parole qui dit que celui qui croit en Dieu doit marcher dans la sanctification de la sainteté. Cette parole qui dit, mes amis, que le Dieu de grâce, mes amis, n'acceptez pas que les gens vivent volontairement dans le péché. Cette parole de sainteté, de vérité, cet évangile pur n'est-ce pas, qui dénonce tous ces, toutes ces, ces, ces enseignements sur les fédérations d'hommes et euh, tout ça, et, et, et l'écuménisme, tout ça. Cette parole, mes amis, qui annonce la divinité et la paternité de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Cette parole de persévérance qu'il faut garder, parce que Satan veut que tu la perdes. Satan veut que tu baisses les bras à cause de la pression, que tu cèdes. La vérité que tu as reçue, ma sœur mon frère, est une vérité qui est devenue rare qui est de plus en plus rejeté, combattu. Voilà pourquoi tu souffres. Voilà pourquoi tu es rejeté. Voilà pourquoi on t'insulte. Parce que tu crois simplement que Jésus Christ est Dieu, qu'il est le Seigneur du Seigneur, qu'il revient bientôt. Cette parole-là qu'il faut à tout prix garder. C'est cette parole qu'il faut à, à tout prix garder. Que le Seigneur vous garde. Alors à bientôt. À demain soir, 20h30. Merci. À demain soir. Au revoir.